La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir, l'autre fois encore, vous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélisère, qui est un grand point cap dominé actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, où responsable dans le KPTA et dans la primature, n'a pas participé dans la prestation serment président dominicain Luis Abinader, qui pourrait commencer un deuxième mandat dans la tête République dominicaine. Actualité électorale ici aux États-Unis, candidat démocrate et républicain a mené campagne plusieurs côtés pendant yon a voyé Toya sous l'autre. Guerre la Russie-Ukraine, l'armée ukrainienne a dit qu'il continue à percer la fête sous territoire russe là, dans la zone Kursk, pendant que la Russie dit qu'il contrôle les tentatives de l'armée Kiev. Là. Actualité dans la région Moyen-Orient, affrontement a fait rage dans le moment où il y a une discussion qui a fait pour un accord sur une trêve pour convaincre l'Iran pour ne pas lancer une attaque contre Israël. Et oui, c'est point ça, yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour un petit moment. Nous allons aller d'abord, nous allons ouvrir le programme nan, avec l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Côté que critique vice-président Kamala Harris servi avec le fait que l'essayons femme pour attaquer. Le message ça, vous voulez faire passer, si vous voulez faire passer, c'est que yon femme pas qu'à occuper job président plus puissant pays dans le monde libre là. Experts sous causé qui a un rapport avec ou bien son femme ou bien son garçon, ça veut dire gens, dit moun kap critiqué Arisio choisi yon lot type attaque qu'on y a, c'est race. Sandra Le Maire, un détail. J'ai fait vice-président Kamala Harris pour job plus haut placé aux États-Unis, mais elle face à attaque sexiste côté yon critiqué vie amoureuse li, radli et même Jean Liri. Tout ça, c'est exemple misogynie. Harris a essayé de changer narratif là, qui a persisté depuis plus passé un siècle après premier américaine n'a été postulé pour présidence là. Ça veut dire Harris a fait face avec l'autre défi, li pa kachapé, qui c'est race mixte. Ex-président Donald Trump, ses rival républicain. She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. Jusqu'à sa quelques années ça, elle était sans attendre de noir. Et vous n'y en vivez pas comme noir. Je ne sais pas si elle est hindou ou bien noir. Experts ont considéré ça comme misogynoire. Misogynoire, c'est un mélange horrible sexisme et racisme qui est renoncé comme femme noire. Il y a un racine dans le stéréotype, à qui des comme quoi ils n'ont pas respecté l'homme suprémaciste et des mots patriarchales blancs. Type attaque, ça y est, la cause même plus gros critique républicain Arisio a essayé de ralentir. This is not personal with regard to c'est pas une attaque personnelle par rapport à Kamala Harris. Ethnicité, gender, j'en ai pas rien pour elle du tout. D'après ça, il y a un paquet de monde qui voulait pour femme rester dans le rôle traditionnel. Le mouvement Instagram Tradwife, quoi, fille t'a doué femme ménage, maman petite. Mais il y a un électeur femme qui n'est pas occupé à attaquer ça et puis considéré comme ridicule. Il dit ça, c'est sexisme. Moun sa yo fanatique garçon. Je te dis même bagaille le Clinton t'a postulé. Je dis, oh non, c'est une femme. Et si il y a un règle, il a déclenché la guerre. Brown théorisait que Trump a lancé attaque personnelle parce qu'il peut faire face à Harris dans le débat. Dans le jour passé, Harris et Trump troquaient parole piment bouc sur les réseaux sociaux par rapport au débat 10 septembre. Non. Trump a commencé l'image pour le débat fait 4 septembre plutôt sur les réseaux préférés. Probably a smart move on Trump's behalf, given that Kamala Harris Trump intelligent fait ça, étant donné que Harris est un ancien avocat accusation et tout ça connaît de performance dans le débat, fait nous croire qu'il va balayer monsieur dans le débat. Depuis qu'il a remporté droit pour voter en 1920, présence dans l'élection présidentielle augmentée. Reportage Anita Powell, traduction Sandra Le Maire, VOA Créole. Donc, c'est fièvre électorale là, ici, aux États-Unis, côté que tous les deux partis, eh bien, y a mené campagne électorale, notamment gagné ancien président Donald Trump, qui était dans Caroline du Nord, côté de le palais de économie. Dans l'international, la télévision, l'État Ukraine, t'es filmé côté soldat ukrainien, t'es râlé descendre drapeau pays, la Russie, après 8e jour que l'armée ukrainienne, eh bien, y'a même, y'a mené une grosse offensive dans la région frontière, la Russie, avec ville Kursk, côté au capturé plus passé 100 soldats. Valérie Ocelui, depuis New York.
technique, un problème technique et empêcher que nous tendez et reportage Valério Saint-Louis n'a pas tourné, régie a fait nous signe si reportage Valério apparaît côté que la parlé de situation guerre entre la Russie avec Ukraine côté Ukraine depuis 8 jours a mené une offensive, ils ont percé dans sous territoire russe là bien que Kremlin avec Moscou et ben ils ont dit que ils ont même appelé contre-carré tentative que Ukraine a fait pour entrer sous territoire. Et nous pas connaissons ça régie a dit nous qui l'autre point nous allons rejoindre Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis a dit nous plus sous question ça. Historique moment. Station télévision l'État ukrainien t'a diffusé jeudi mercredi 14 d'août ça. Un reportage qui montrait troupes l'armée ukrainienne yo cap raché un drapeau pays la Russie sous tête d'un building officiel dans ville Soudza dans région Kursk en dedans la Russie. Une vidéo que télévision l'État dédie que yo t'a filmé jeudi mercredi à côté que au Kawe, un building 3 étages qui dans ville Soudza qui sous frontière entre deux pays yo. Avec trois soldats ukrainiens qui prennent et puis qui après aller descendre un drapeau russe et puis qui tape rilé la gloire pour Ukraine. Un correspondant station télévision l'État dans ville là te dit que force ukrainienne te prend contrôle toute ville Soudza, un centre principal et important pour transport gaz dans pays la Russie. Plusieurs milliers de troupes ukrainiennes ont été rentrées sous frontière la Russie dans date 6 d'août là dans région l'ouest Kursk dans pays la Russie. Force Rissio jusqu'à présent pas arrivé météo dehors après plus passé une semaine bataille intense avec échange gros coup de zam. Vidéo a te montré tout une colonne machine russe qui boulait dans papote entre ville Soudza. Il te montré tout la ria qui vide avec boutique et puis building officiel yo qui yo même pas dommagé. Président ukrainien Vladimir Zelensky te dit sous Telegram jeudi mercredi que l'armée ukrainienne continue à avancer dans la région frontière russe là dans ville Kursk sous 8e jour offensif sans pareil. Moscou te promet pour couper l'armée ukrainienne pendant que force ukrainienne yo même y a rapporté que yo te capturé plus passé 100 soldats russes même jeudi mercredi ça. Oleksandr Zhizkiy, commandant en chef l'armée ukrainienne, te bail président Vladimir Zelensky un rapport détaillé de avancement troupes yo dans pays la Russie pendant eu échange vidéoconférence. Commandant Oleksandr Zhizkiy te dit. Groupe force défense continue à faire une opération offensive sous territoire région Kursk. Depuis le commencement journée, troupes ont avancé sur une distance de 1 à 2 km dans différentes directions. Recherche là à destruction l'ennemi dans la localité Soudza ont été accomplies. Depuis le commencement journée, nous capturer plus passé 100 soldats l'ennemi. Bon côté parlé, ministère situation urgence pays la Russie a été montré évacuation qui a continué faite sorti dans la région Kursk. Côté que troupes Moscou a boumé contre une grosse invasion ukrainienne depuis semaine passée. À peu près 121 000 moun te couru quitter ville Kursk là depuis commencement bataille là. Boumé à échange gros coup d'âme t'est arrivé touyer 12 civils et puis blessé 21 autres moun d'après gouverneur intérimaire régional russe là Alexey Smirnov. Pour VOA Creole depuis New York, Valério Saint-Louis. Merci Valério Saint-Louis. Actualité a mené dans l'autre région, nous parlons de la région Moyen-Orient, côté affrontement a fait rage. Dans le moment, il y a une discussion qui a fait pour un accord sur une trêve pour convaincre l'Iran pour ne pas lancer menace, attaque contre Israël. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. We have been stressing to porte-parole adjoint département d'État Vedan Patel dit partenaire Qatar yo assuré Washington que yo pral travail pour assurer que groupe armé Hamas la représenté dans Chita Palais pour yon cesser le feu semaine ça. Pendant ce temps, président américain Joe Biden espéré que Iran ta ka évité attaquer Israël si yo ta joine yon accord dans Gaza. Léon journaliste te pose question ça. D'après ou, est-ce que ou pensez Iran ka suspend ak action li yo si partenaire yo joine yon accord cesser le feu? Président te répond. That's my expectation. Moi espéré ça, mais n'ap gade pou nou wè. Sous bon payo, groupe armé Hamas la mande yon plan solide pour appliquer proposition président américain Joe Biden te présenté nan mois mai passé ya. Au lieu pour ta gen plis chita parler nan yon réunion Conseil Sécurité Nations Unies sous la guerre entre Israël ak Hamas nan Gaza, ambassadeur américain nan Nations Unies Linda Thomas Greenfield déclaré. Objectif général États-Unis rete pour calmer tension nan région.
décourager ak défendre contre attaque dans l'avenir et puis éviter conflit régional yo. Ça a commencé l'en rive joine yon accord cessez-le-feu immédiat ak libération otage yo dans Gaza. Nous devons traverser ligne ça. Envoyé américain accompagné ak ambassadeur américain dans Liban Lisa Johnson rencontré ak quelques législateurs libanais jodi mercredi 14 d'août 2024 la. Mam pati fos libanais nan parlement George Adwan déclaré l'ennemi contre Israël c'est position tout libanais nous compte tout ça qui a passé dans Gaza ak krim yo commet contre peuple palestinien. Nous pouvons solution ak deux états et puis ça c'est position ferme ak fondamental nous tout en nous ak position claire sa yo nous compte entre Liban nan yon la guerre ki pap nan intérêt li. Pendant toute négociation sa yo, plusieurs centaines étudiants ak académiciens nan université Sanaa Yemen manifesté jodi mercredi 14 d'août la pou pote sipo yo ak pep palestinien ki ap sibi atak la me Israel la nan Gaza. Yon manifestant déclaré yo se frè nou et puis yo pas séparé ak nou. Quel que soit force Amérique là ak Israël mobilisé, Palestine pap tombe et puis yo pral continuer. N'ap continuer jusqu'à ce que nous remporter victoire. Yon l'autre bord, bataille yo continue dans Gaza. Côté moun ki habite nan ville Khan Younis nan site Gaza di ke force israélien yo explosé kay nan l'ouest la et puis yo augmenté quantité tank kap bombardé zone l'est yo sorti nan centre ville la. Victime attaque la me Israël sou Khan Younis ki gen la dan ti moun te rive nan l'hôpital Nasser nan site Gaza jodi mercredi 14 d'août 2024 la. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil. Donc malgré négociation à palais, malgré recherche yon trêve, eh ben affrontement yo féroce nan Gaza nan guerre que Israël a mené contre Hamas. Nous voilà pays Venezuela. Parlement proposé yon série loi pour empêcher jamais encore pour yon pays étranger vin prend position sous quoi que ce soit qui gen rapport avec élection dans le pays Venezuela. Ça, c'est déclaration président parlement Jorge Rodriguez. Conseil national électoral, la CNE, a ratifié dans le finissement mois de juillet victoire président Nicolas Maduro avec 52% voix sans le pas publier des comptes exacts avec procès-verbal. Opposition dit c'est lui même qui gagne l'élection avec 67% voix qui a joint candidat yo, en parlant de Edmundo González Urrutia. Et dans le moment où on a parlé là, il y a une opposition qui lançait une grosse manifestation, une manifestation au niveau mondial, côté que chef opposition, en parlant de Maria Corina Machado, dit comme ça que lui-même, il va descendre dans la rue Venezuela et il va descendre dans la rue Le Monde pour que le monde capable connaît victoire peuple là avec souveraineté peuple vénézuélien. Donc une situation très compliquée dans le pays Venezuela, n'a pas suivi pour ou sauver ou à créole ou à suivre un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Nous saluons tous les amis qui branchent dans le moment ça. Et avec une pensée spéciale pour collaboratrice, nous avons parlé de Glorieuse Nelson qui, lui-même, jeudi, a fêté anniversaire. Yon jou avant l'autre collaborateur, Capgain, ou bien deux Capgain pour fêter demain. Nous retournons sur ça. Actualité dans le pays d'Haïti, responsable dans KPTA ak nan primatula pas participer nan prestation serment président République Dominicain Pito Luis Abinadel qui pral commencer 16 août kap vin la yon deuxième mandat. Yves Manuel se correspondant nou nan Port-au-Prince. Autorité haïtienne yo tankou président Conseil présidentiel transition ak premier ministre Gay Koni décidé boudé cérémonie investiture président Luis Abinadel en République Dominicaine. Décision ça a venu dans un contexte tension en deux nations yo qui marqué notamment par fermeté unilatérale espace aérien entre Haïti ak pays voisin. Dans le mois de février qui s'est passé là, la République dominicaine fermait espace aérien avec Haïti, côté l'évoquer diverses raisons de sécurité.
fermeture ça gagne gros répercussions sous échange et déplacement en deux pays voisins. Autorité haïtienne, nano ministre affaires étrangères Dominique Dupuis exprimer mécontentement et exiger pour espace aérien relouvri pour tout vol commercial officiel. Selon madame Dupuis, fermeture espace aérien décidé de manière unilatérale bon côté la République dominicaine et dans sens ça réouverture li pas ta doit conditionner dans ça li rele négociation bilatérale. Autorité dominicaine bon côté pa yo proposé pour ouvrir un couloir aérien spécifiquement pour vol officiel qui permettre à dignitaires haïtiens yo rendre en République dominicaine pour participer dans investiture président Luis Abinader. Cependant, yo continuer pour justifier fermeture vol commercial yo par rapport à préoccupation sécurité et en raison tout des situations pays d'Haïtien qui instable. Absence officielle haïtienne en cérémonie investiture Luis Abinader là capable ouais comme un signe mécontentement face à la situation actuelle mais tout comme un appel à résoudre rapide crise cap traverser deux pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves, n'a prêté toujours dans l'actualité à concernant le pays d'Haïti. Deux rapports Nations Unies qui sortent dans deux premiers et semestre 2024 là, et bien, il y a gagné 3759 personnes qui mourent ou bien blessés à cause de la violence gangame qui passe suspensé l'intérêt dans le pays. Il y a un reportage, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. D'après des comptes, deux rapports ça y a, par rapport à la violence gangame en Haïti, situation environ 4 millions haïtiens qui n'ont insécurité alimentaire vient pi aggraver. Mission multinationale soutien à sécurité en Haïti que Conseil sécurité l'ONU a autorisé dans mois octobre 2023, yon l'année après demande officielle gouvernement haïtien toujours dans phase déploiement. C'est moins passé 25% personnel qui disponible dans mois août là dans cadre déploiement ça. Yo estimé cap marché à patotu. Toujours selon rapport Nations Unies, hein, sous 2500 membres mission multinationale soutien à sécurité à te prévoit, c'est seulement 400 policiers kenyans qui déjà déployés sous 1000 pays kenyans te promettre. Jamaïque, Bénin, Barbade, Tchad, Bangladesh, ak Bahamas te promettre tout pour yo voyer ressources humaines étape par étape pour intégrer mission ça qui doit coûter 600 millions de dollars américains. Rapport l'ONIA dit, pour qu'on y a tant pour compléter effectif force multinationale soutien à sécurité, moyens logistiques, équipements et ressources financières en pile pays qui dit que ses amis Haïti dans la communauté internationale te promettre là. Résolution 2699 là prévoit, n'a pas rappelé, réexaminer autorisation mission multinationale soutien à sécurité dans 9 mois. C'est un dossier que nous suivons. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Et puis nous allons aller dans la diaspora, nous allons aller plus précisément dans Chicago, côté que Tegon en parade, son parade traditionnel qui fait dans Chicago, surtout pour Timoun, et le fait chaque année à l'ESA. Nous allons rejoindre Obed Lamy. Toutwa ou te chaje ak moun soutou de boy ou. Nan mitan la riyan, cha dekore ap jwe mizik. Group dance ap defile. Bienveni nan Bud Bullican Parade, yon parade ki fet chak dezyem samdi nan mwa dout nan vil Chicago. You know, I just came out to support my school. Mwen vini jodi an pou m supporte l'ekol mwen. E vreman pou m pase yon bon moun. Sa se Aja Jackson, yon elev sekondè ki ap patisipe nan parade sa pou premye fwa. En plus musique à jouer, yo. Ça agit à dire le plaisir mais dans parade là, c'est tête ensemble avec diverses. I've never seen like. Moi pour que j'aime moi toute couche, toute culture rassemblée comme ça avant ça. Mais c'est depuis l'année 1928, Bud Bullican Parade a fait plusieurs générations de familles danser dans Chicago. C'est un projet Robert Stensack, fondateur premier journal noir, Chicago Defender, t'a créé et spécialement pour bâtir Timounio opportunité pour prendre plaisir pendant vacances là avant de retourner à l'école. Pour quelques participants comme Kim, qui célèbre 50e anniversaire un jour avant parade là, événement ça a apporté un mélange de la joie et nostalgie. It means a lot to see the ça veut dire un pile bagage pour moi. Pour moi, bonne musique ça a défilé. Moi-même, pour me déconner défilé ça dans le temps passé, c'était vraiment une belle expérience pour un gros foule ça a battu bravo.
En général, parade la gen yon compétition côté groupe qui pi bien performé à recevoir yon prime. Mais ça pas vraiment bien passé année, ça a peut-être déblosaille quelques participants te créé, ça la cause même jiri ou pas traité. Incident ça a quitté un goût déception dans bouche quelques danseurs. We actually got a lot of kids that's actually was looking for. Nous pile si monde qui était vraiment content pour performer pour Jiji. Et c'est pas vraiment l'argent, c'est pas vraiment couple là qui intéressé nous. Mais si monde, le fait que nous pas gain chance performer devant Jiji là, ça pas seulement fait moi mal. Mais le fait si monde mal en pile tout. Après défiler dans la rien, parade la tal fini sous Park Washington pour un festival back to school qui t'a continué dans reste après-midi. C'est là nous rencontrer Rita Johnson qui te prend un petit temps pour réfléchir sur gros héritage ça Bud Bullican Parade represent. Well, I've been coming to the parade ever since I was younger. M'a participé dans parade ça depuis l'aime tout petit. M'pas jamais pensé un jour l'aime venir grand, m'ta fait partie équipe qui a continué kembe héritage ça vivant. Année ça d'am célébrer 95 l'année héritage ça. Parade ça vraiment rappeler nous toute importance famille à communauté gagné. Obed Lamy, pour VOA à Creole depuis Chicago. Merci Obed. Nous voyons que rendez-vous info de temps en temps font coup d'œil sous diaspora. Hier, nous étions dans Maryland, Baltimore, avec Gentil Augustin Junior et puis jeudi avec Obed Lamy. Nous retournons dans le pays d'Haïti. Côté protection civile, a organisé deux journées atelier formation pour journalistes sous communication dans la période de crise avec gestion risque et désastre. Steven Aristil. Direction générale protection civile organise des journées ateliers formation sur communication en temps crise avec gestion risque avec désastre pour journalistes dans la capitale pays. Premier ministre Gaye Conné était présent dans lancement atelier ça, t'a déclaré c'est pas seulement un atelier formation mais c'est un échange côté chaque journaliste capable partager expérience avec protection civile capable améliorer qualité de travail. Nous condamnés pour faire travail ça ensemble et j'aime ça dire là nous c'est non seulement partenaire obligé mais essentiel. Donc début dialogue ça que nous gain là, échange ça que nous gain là, nous souhaiter que n'a porter là dans tout, que n'a contribuer activement. Que n'a camper pour nous dire expérience attention. Le baïo dans le nord pense j'on pense communication c'est pas qu'on s'allie. Bon côté parle directeur protection civile là Emmanuel Pierre pas caché satisfaction lui parce que deux journées formation ça a réussi. J'aime te dire dans début saison cyclonique là nous partons dans démarche améliorer communication avec la communauté. Et pour améliorer la communication avec la communauté, parce que journalistes, les médias traditionnels, presse écrite, télévisée, médias en ligne, ils ont d'importance capitale pour nous. Donc, je dis, nous avons planifié et nous répondons à l'appel. C'est un sentiment de satisfaction pour nous, la mesure où la qualité des débats, la qualité des gens qui sont présents, échange prouvé que c'est une très bonne chose, c'est une réussite. Et ben c'est nous, j'aime dire, c'est une autre activité, non, plusieurs activités nous réalisons avec les journalistes déjà. Nous ne pas camper, nous allons continuer échanger, dialoguer pour une plus bonne façon pour nous vraiment communiquer efficacement avec la population. Ni dans un moment qui n'a pas de crise, ni dans un moment où il y a une crise. Quelques journalistes qui étaient présents dans l'atelier formation ça, t'es partagé opinion yo et dégagé contentement avec nous. Bon, c'est une formation qui, pour nous comme journalistes, a une double importance. D'abord, elle permet à ce que nous gérer contact nous mieux avec l'institution qui c'est Direction générale de protection civile, surtout dans vivre dans un pays qui a haut risque par rapport à une série de phénomènes naturels, notamment la question cyclone, ouragan et tempête, que protection civile toujours parmi acteurs clés. Donc c'est toujours important, le comme média qui fait médiation entre institutions avec le grand public là, nous développer très bon rapport. Le conseil d'information a mieux diffusé. Mais tout nous-mêmes comme journalistes qui non seulement dans la question d'information, mais qui tout dans sensibilisation et commentaires, pourvu que nous sommes des influenceurs avec micro que nous gagnons, avec la plume que nous avons écrit. Donc c'est important tout dans la discussion, dans le cadre d'atelier ça, pour nous recevoir de connaissances, recevoir de formations qui permettent de mieux articuler, de sensibiliser la population sur le comportement supposé gagner. Qui t'aime féliciter les responsables qui t'aiment prendre l'initiative pour faire formation ça, parce que moi, en tant que journaliste, bon, personnellement, j'ai un pile de bagaille que je ne connais pas connaît, sous cause cyclone plus précisément. Moi pense que moi apprendre en pile d'ailleurs me fait partie d'un groupe donc nous apprendre en pile bagaille surtout sur cause couleur
la période cyclonique, ça est très important. Pour moi, c'était une formation qui était vraiment enrichissante, côté il y a un partage de connaissances qui était fait. Et moi-même, je vous dis pour mieux faire le travail en tant que journaliste. On a rappelé, la saison cyclonique a commencé depuis 1er juin et l'a fini 30 novembre. Moi, c'est Steven Aristil, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Steven, n'a pas retourné encore dans la diaspora et nous pral dans New York côté municipalité. Il y a honoré plusieurs personnalités et haïtiennes dans une cérémonie qui était déroulée dans Manhattan. Glorieuse Nelson. Magistrat ville New York là, Eric Adams, recevoit communauté haïtienne dans la résidence officielle li, Gracie Mansion dans Manhattan. Réception si là qui sous deuxième édition réalisée dans l'idée pour célébrer héritage à contribution communauté haïtienne dans ville New York. Nous connaissons sa communauté si là représentée pour payer ça. Et nous connaissons plus passé 650 000 personnes. Le regarder chez ça par rapport à l'autre communauté qui a payé MGO, ou après pouvoir nous gagner. Nous avons pouvoir pour déterminer qui est-ce qui représente en ville là, représentant local, qui est-ce qui leader national, à qui est-ce qui prochain président États-Unis. Nous avons pile pouvoir et nous important pile pour nous. Cérémonie si la a été occasion pour honorer quelques professionnels dans la communauté haïtienne pour travailler. Musicien Tabou Kombo Yves Joseph, tout le monde connaît son nom, Fanfan Tibot, a réagi sous distinction de recevoir. Je me suis dit tout à l'heure, je me parle, tout le monde c'est pour Haïti. Tout travail m'a fait, toute positivité c'est pour Haïti, pour nous avoir un pays meilleur, pour nous avoir une communauté meilleure, pour nous vivre même dans tout le monde, vie, pour tout le temps dans Chirépit, dans Gourmet, toute la journée. Donc tout ça m'a fait mettre tête comme exemple de positivité pour le pays. Eric Adam, c'est 110e magistrat que Ville New York connaît. Et c'est sous administration que Haïtien gagne première célébration dans Gracie Mansion. Fred Raphaël fait partie de l'équipe qui a initié des marches. Mais accueille tout Haïtien, même qui sorti tout partout dans le monde, qui vient ici, accueille tout papier ou pas papier. Nous connaissons que New York City, c'est là que nous sommes. Il fait nous vraiment plaisir parce que Mea a ban une opportunité pour nous pour accueillir nous. Et puis pour nous montrer à la communauté que nous avons un paquet de bagages positifs qu'a fait. Oui, bon, on a cherché ça depuis longtemps. Tout le monde toujours attendait une série de bagages négatifs. Même l'aime dit tout le monde, ça qu'a fait Haïti. Si l'Igen doit bailler l'autre réflexion de Haïti, mais alors nous connaissons que nous-mêmes comme Haïtiens, nous sommes peut-être très haut et nous avons promoté Haïti en dehors de Haïti et nous avons souhaité qu'en Haïti nous avons la même opportunité pour nous faire ça encore. Diverses associations professionnelles tant que NYCD Haitian Society ou sinon Haitian American Lawyers ont participé à l'événement. Glorieuse Nelson Pouvé ou Creole depuis Manhattan, New York. Merci, Glorieuse Nelson. Et on a tout profité tout pour nous souhaiter, Glorieuse Nelson, un joyeux anniversaire. Et c'est une occasion pour nous dire que nous, tous dans le service Creole, nous remènent depuis commencer sous chef service là, Sandra Lemaire, arrivé sous moins qu'à parler là, et bien nous tous nous remènent. Mais ce que monsieur et Abela avec gentil, pas fait jalousie, Fred lui-même pas d'avoir comme ça. Donc, bonne fête, Glorieuse Nelson. Et puis, n'a pas rappelé tout que, gen, super Coupe d'Europe là, qu'a joué, dans le moment n'a parlé là, qui mettait face pour face Real Madrid avec Atalanta Bergame. Et bien, match là qu'on y a, li 2-0, qu'on y a là, Mbappé marqué. Donc, Mbappé, quand joue le premier match li pour Real Madrid, et bien, moun qui aime Mbappé, yo tout content parce que c'est pour monsieur tout marqué, premier goal li pour Real Madrid. Et ça, c'est l'histoire parce que la retenue que dans 68e minute de jeu, dans la Coupe d'Europe, Super Coupe d'Europe, eh bien, Mbappé marqué premier goal pour Real Madrid. Donc, match à 2-0. C'est Valverde qui a fait premier goal dans la 59e minute de jeu. Et puis, Mbappé fait marquer là dans la 68e minute de jeu. Il faut le faire. Donc, Real a mené 2-0 là. Donc, si Real calé, eh bien, c'est la première distinction. Premier gros bagage dans le palmarès et Kylian Mbappé avec Real Madrid. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Sibas, thank you so much. Et puis, Jean-Marc Hervé Abela, merci. Je ne connais pas l'autre monde qui est encore là. Et puis, Bob, non, sans oublier, et Bob McLean est avec nous. Moi, c'est Jacques Belizer. Et puis, nous demain pour un autre rendez-vous info. We'll be right back.
connais qui Jean ou même ou carré les ça image que m'a gardé question m'a dit avec citoyen ça qui a coupé Zoéli et puis mon les oreilles image ça m'a pas nous menti li choqué en pile littéralement choqué moi dit même Jean les bout de batte touyé m'a connait un citoyen pilté pour quoi le manger un boucan le manger. Moi dit tête moi ça c'est dernier goutte sang qui pour renverser vase bandi armé yo. Ça c'est dernier action que bandi armé yo doit poser et l'état doit mobiliser pour bay bandi armé ça yo réponse que autre bay. Et si je dis là, moi pas ouais que vraiment autorité policière yo, gouvernement qu'on y a dirigé, ok, conseiller présidentiel yo, si moi pas ouais que yo vraiment mobilisé dans tout pays. Pour que yo capable démanteler et dénicher bandi armé yo laissez-moi dire peuple haïtien résoudre insécurité li loin et je dis le que chaque monde comprenne je dis le que chaque monde quitte yon message OK. Moi veux que chaque monde qui t'est aux paroles yon message concernant situation insécurité que pays a connait là. Comment nous ouais soi-disant conseil présidentiel yo dans question insécurité. Comment nous ouais gouvernement que Kony a dirigé dans question insécurité ça. Comment nous ouais direction générale la police là avec DG Rameau Normil en tête li comment nous ouais état major l'armée et comment nous ouais déjà officier kenyan ça 400 officiers kenyan ça qui en Haïti déjà dans question insécurité que pays a connait comment nous ouais yo. Même chaque monde qui a regardé l'émission, ça quitte un petit mot. Quitte un petit message. Yeah. Quitte un petit mot. Quitte un petit message. Pour nous dire qui j'en nous est. Moun sa yo. Qui j'en nous comprenne. Moun sa yo. Avec ça qui a passé là dans le pays. Avec situation et sécurité, ça que le pays qu'on est là. Qui j'en nous est yo. Parce que là, parce que ça n'a vive là, ça n'a connu là, ça n'a enduré là. Mes amis, nous pas capables d'accepter encore, nous pas capables de croiser bois nous, pour que nous quittions. Bandi a fini avec pays, bandi a fait ça au vrai avec pays ça. Nous pas qu'accepter ces bagages ça yo. Non, pas capable. Nous pas capable. Nous pas capable. C'est soit que autre monde qui là comme autorité. Yo dit un mot. Yo prend des décisions. Yo pose des actions concrètes. Ou dit moi ce que ça cap venir que le vini. Parce que c'est pas sérieux, c'est pas normal. C'est pas normal ça qui est là comme insécurité. Li inacceptable pour n'a regarder comment que bandi a mangé raché moun. Bien que dans grande pays population dans grande pays la police nationale d'Haïti yo lancé opération nettoyer grandance. Yo saute démanteler là
yon réseau gang qui un certain de mos li tap dirige nan commune Anse Deno, deuxième section communale Boudon. OK. Est-ce que nous pral rentrer? Est-ce que nous pral marcher dans logique côté ces peuples qui a baité la justice et surtout avec question mouvement Bois Calé? Est-ce que c'est Bois Calé que pour peuple réactiver? Est-ce que c'est ça que monsieur Damio qui soit disant dans l'état ça qu'il a? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour que population lui-même li réactive question Bois Calé? Ou dis-moi est-ce que il a prend responsabilité yo, il a prend de décision pour yo rive établi sécurité la paix en un pays. Et moi m'a dit m'a pas suspendre dit peuple haïtien. OK. Peuple haïtien, m'a dit nous clairement, même Jean que moi ouais, jeudi mercredi 14 d'août ça, qui c'est une grosse date dans l'histoire peuple haïtien. Cérémonie Bois Caïman. Et c'est de toute la que bataille pour libérer pays ça en bas mes blancs colons yo qui n'a pas le prendre indépendance nous pour clamer indépendance nous le 1er janvier 1804 mais elle t'est commencé depuis dans bataille depuis dans cérémonie Bois Caïman bien avant toujours mais cérémonie Bois Caïman il c'était un gros événement qui était parmi événements qui t'a accouché 1er janvier 1804 qui c'est date indépendance nous. Mais dans l'occasion 14 d'août ça, eh bien, plusieurs dizaines, centaines, déplacés, forcés, et de l'autre citoyen dans la société, qui dit que, il n'y a pas d'accord que je dis, pour que bandi a touye yo, pour que bandi a boule kayo, bandi a viole yo, et yo besoin retourner la kayo, yo te décidé pren béton. Yo te décidé foule béton. Nan divers rues, nan capitale haïtienne, Kapwa, Jean-Paul II, Tujo, et Avenue Martin Luther King, Canapé Vert, La Lue, côté qui a porté un message. Et message qui a porté, il a dit avec autorité, yo, moment arrivé, parce que yo même, yo qui trop temps de yo, yo bandit force yon quitte la kayo, yo besoin retourner la kayo. Parce que dans condition que abdormi en dedans Rex Théâtre, dans condition abdormi en dedans local ministère communication à Kilti sous Bois Verna, dans condition mal dormi dans ensemble lycée ou ensemble l'école nationale dans centre-ville Port-au-Prince, yo décidé pour dire yo besoin retourner la caillou. Yo besoin al vivre la caillou. Yo besoin aller en activité yo. Parce que plus passé déjà un an si me dit le comme ça. Yo dehors. Ba di pousser de yo. Ba di mettre au dehors. Et yo ta remé retourner la caillou. Yo ta remé al vivre la caillou. Kay sa ke yo e di. Après 10-15 l'année,
Il aurait dit mettez Kaisa. Il aurait dit mettez deux trois rangées bloc campé. Et puis je dis hein, yon bon matin, yon groupe nèg levé comme de jeunes garçons. Yon les têtes yon bandit. Yon les têtes yon criminel. Yon les têtes yon assassin. Yon décide pousser deux moun sa yon. Et je dis hein, eh bien moun sa yon. Victime sa yon. Déplacé, forcé sa yon. Yon décide pile béton. Yon décide à l'mande avec autorité yon. T'en prie souple. Dégage kou mette Jean-Jacques pour permettre que, pour faciliter que yon capable d'entrer la kay yon. Même jenon la Tibonite, côté que jeune mercredi 14 d'août lan, mounan la Tibonite, dans diverses communes, yon te décide tout, marcher. Puis yon mande avec DDA, directeur départemental, département Grand et la Tibonite là. Monsieur Jean-Louis Paul Ménard, pour yon dit, Monsieur Ménard, tendez bien. Ou gen plus que un l'année que ou se responsable police là, dans le département la Tibonite. Ou beaucoup jamais mené aucune opération sérieuse. Ou beaucoup jamais permettre que moun nan sa vient dans lien cour la Croix-Péris nan Gromon nan pa e Kafoupey nan Pachoual nan ou ensemble de localités dans département la Tibonite pour rentrer la caillou pour retourner la caillou mais pour sa fête faut qu'ou démanteler réseau gang réseau à tout fait réseau mafia ka bay problème nan zone sa yo. Bien que Jean-Louis Paul Ménard expliqué, Jean-Louis Paul Ménard t'a fait comprendre que li déployer toute sa guerre comme volonté. OK? Li déployer toute sa guerre comme volonté. Li décide pour poser toute action possible. Li décide pour poser toute action concrète. OK? Toute action possible. Toute action concrète pour yo exactement. Ouais, comment que la police dans le département la Tibonite avec population dans le département yo capable faire un seul et puis yo bataille contre civil armé yo contre terroriste yo contre groupe criminel yo qui prend département ça en otage depuis plusieurs années. Je dis, hein, moi crois que ça qui est là comme situation. Je dis, hein, moi même m'a dit avec chaque grain de zami. Et quel que soit où tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, m'a demandé déplacer forcé yo. N'importe où prince. Et quel que soit côté que nous y est, que nous t'es la caille nous, que je dis un bandit mettez nous dehors, assassin mettez nous dehors, criminel yo fait tout ça qu'on n'est pas bon yo, pour pousser de nous, m'a dit nous, je dis un lever rampe. M'a dit nous, je dis un mobiliser nos derrière autorité ça yo, mobiliser contre moun ki la comme soi disant autorité. Mobiliser dans koyo. OK? Mobiliser dans koyo jusqu'à ce que yo rive ba nous sécurité que yo dwe ba nous. Parce que yo te dit à travers accord 3 avril 2024 là qui accouché conseil présidentiel là et qui vient pral ba nous Gary Kony comme premier ministre, ah pardon, oui comme premier ministre,
et qui pral ba nous ensuite encore Ramonon mil comme DG la police jodi an moi crois que très important li important en pile pour que mobilisation en fait pour que engagement li rive fait et la caisse citoyen yo pour yo lever campé pour yo mobiliser jusqu'à ce que yo rive déraciné jusqu'à ce que yo force moun ki la yo pour yo ba yo sécurité parce que là pa gen tete lang là pa gen grien dan pa gen tete lang pa gen grien dan et quel que soit condition doit que mobilisation qui vous fait et moi-même moi pour que gen mobilisation qui fait et surtout mais dit oui déplacer forcé yo victime en bas mes gang armé yo que jodi a que moun yo lever campé pour forcer autorité qui la yo forcer conseil yo forcer gouvernement colin yo forcer déjà la police ba yo sécurité ba yo sécurité ba yo sécurité ah oui que yo dégagé yo kou met Jean-Jacques OK dégagé kou met Jean-Jacques parce que si je dis en là depuis les que conseil s'est installé OK depuis vous comprenez depuis les conseil s'est installé PM gars connait tout monde ça yo jusqu'à présent nous pouvons vraiment où est ça gagné comme action opposée et nous apprendre que qu'un agent kenyan membre mission multinationale appui sécurité haïtien qui a prend soin la caille voisin Saint-Domingue après que t'est blessé dans cadre confrontation avec gang armé et information ça li confirmé par une source militaire dans journal dominicain Diario Libre. Officier ça qui a pris soin dans un centre diagnostic et médecine avancée télémédecine CEDIMAT dans pays Saint-Domingue t'es quitté Haïti dans date qui alors t'es quitté l'hôpital là dans date qui 5 d'août là et sous ça précisé que agent que t'a repris en fonction en Haïti après que li fin rétabli et n'a fait qu'on est n'a fait qu'on est que je dis hein même en Haïti oui que officier kenyan yo OK officier kenyan ouais j'ai pas galère officier kenyan yo gen accès que yo capable si yo blessé dans opération pour aller ces domaines elle prend soin et police haïtienne eux même et si yo blessé dans quatre opérations qui côté qui pour aller prendre soin eux même Bernameuse pas vrai Bernameuse comme PM Gaïkon il a visité à tout DG Ramon Amil yo t'a visité Bernameuse puis elle garder ensemble de conditions ensemble de situations elle discuter avec responsable Bernard Mesio pour garder comment que yo capable bay un plus bon service avec policiers haïtiens nou yo si toutefois t'a gagné blessé dans question opération je dis on va pas nous mentir autorité nou yo ça gè là n'a engagé la police là n'a engagé l'armée mettez avec officier kenyan yo
Nous pas qu'à faire bagarre à deux poids et deux mesures, non? Nous pas qu'à faire bagarre à deux poids et deux mesures. Non, pas comme ça. Que tout agent qui fait partie force de l'autre qui l'a yo, yo tout doit joindre même traitement. Yo tout doit joindre même accompagnement. Et c'est une obligation pour que yo tout joindre même traitement et même accompagnement. Parce que c'est clair. Quel que soit la police Kenyan, la Médaïti, yo tout a travail pour établir sécurité dans le pays. Et c'est une obligation avec yo même. Puis yo ba obligation et sécurité dans le pays. Je dis bon, c'est que autorité yo, et ça montre que à clair que messieurs dames qui là yo et même ça qui t'est passé avant yo qui c'est équipe bande vagabond que yo yé. Gardez l'hôpital général qui t'est écrasé le 12 janvier. Gardez nouveau bâtiment qui a des années là qui censé presque fini. Les yo pas jamais fini. Yo pas jamais équipé pour ta permettre que l'hôpital général dans nouveau bâtiment qu'il t'a capable remplir conditions pour bay bon genre de service et soins de santé en qualité avec quel que soit monde que t'ayé. T'es dans l'hôpital que m'était de t'ap construit pour policier yo. C'est depuis ce matin li. Les yo gagoté l'argent ça. Les yo gaspiller l'argent ça, yo voler l'argent ça. Yo pas jamais fait aucun hôpital vraiment qui t'apprend pour policier vraiment. Les que yo malade, les que yo blessé dans l'opération ou dis-moi est-ce que madame petite yo, les que yo gè problème, mais policier t'es capable mener madame petite li à construire l'hôpital ça, que t'ap construit policier. Et va faire. Alors que ou tande, en pile nèg, en pile nan yo, ap chante kata moi, ap di je suis meté, je suis ramassé, ok? Yap di je suis meté, je suis ramassé, alors que alors que je dis hein, faut nous garder problème dans la dimension qu'on doit garder, faut nous garder problème dans la dimension que nous devons garder, faut nous garder dans la dimension que nous devons garder. Et il faut que nous posions action, ça yo. Dans le niveau que nous devons poser action. Parce que aujourd'hui, hein, pas de aucun monde qui a fait me comprendre yon lot bagay de sa kapase dans le pays. Et sa kapase dans le pays, moi vraiment capable de comprendre et well, volonté pour ta résoudre sa gain là comme situation, moi encore questionner. Moi encore questionner, moi encore garder pour me dire que moi pas ouais volonté. C'est vrai d'apprendre que la police, imaginons que commune cabaret ligue plus que 5 à 6 mois la police pas présente la donne jusqu'à ce que Mandi arrive poser de action dans Bercy. Yo tué plusieurs moun. Et les gars même à l'aise. Puis yo prend marteau, prend biren pour écraser commissariat ça dans cabaret. Et c'est mardi 13 d'août là, n'apprendre que la police ou plusieurs agents Boyd. Yeah. La police ou plusieurs agents Boyd. Ça veut dire pas de volonté. Fort, c'est les bandits qui font autant de actions opposées. C'est les salles établies à agir, oui.
Laisse à l'État agir. C'est dans le moment ça. L'État agir. C'est comme quoi j'aime nous dire. Ok? C'est les cabrites fin passé. Il y a pris les fermes barrières. Yeah. Les cabrites fin passé. C'est les ça. Il y a vindi fermes barrières. Je dis, hein. Peuple haïtien kòp kran nan ki kòp lokèl pran. Jodi an, peuple haïtien kòp kran OK nan ki komine zo ke l pran. Et komine zo sa pran la dan nan. Premièrement, li se on complot communauté occidentale. L'ICI est un complot. Ou ensemble pays. Même l'autre attendait à Dieu ses amis Haïti. Okay. Même l'autre attendait à Dieu remet Haïti. Mais l'ICI me dit et nan mati yoye. Ouais. Même l'autre attendait. Yo dit que yo vle ke gen sécurité. Yo dit que yo pour la paix. Yo dit que yo ta remè sa gen en Haïti an chanje. OK? Pa fè konfyans sa. OK? OK? Parce que yon nan bagay pou m le konnen. Parce que moun sa yo se nan malè nou. OK. C'est dans malais nous. Yo fait bonheur yo. Hmm? C'est dans malais nous. Yo fait bonheur nous. Parce que moi toujours dis majorité et pas moi dis non. Mais donné ou prouvé. Et on ensemble expert dit okay. Et on ensemble expert dit côté que de nous prouver que majorité pour me dire tout non majorité zam majorité zam yo sorti États-Unis et c'est plus c'est expert qui ouais que zam yo sorti dans sud état Floride en pile nan yo yo entré dans container yo entré dans port nou yo entré dans aéroport nou yo passé dans douane nou yo entré OK yo entré juste pour que nèg ki nan business nèg ki nan business ki nan commerce zam illégal en Haïti pou yo capable faire million 20 yo pou yo capable enrichir tête yo avec l'argent OK yo enrichir tête yo avec l'argent pendant ces temps yo pa vle kopran. OK. Yo pa vle kopran. Ke jodi an.
situation, c'est pour la faire bien. Et l'aime, c'est pour la faire bien. Parce qu'il y a des possibilités pour faire des millions. Oui. Pour faire des millions. Alors, ce que je dis, hein, pendant qu'il a fait des millions, il a détruit un groupe de monde. Pendant qu'il a fait million yo, il a rend la vie hein, très difficile en Haïti pour un paquet de monde. Je dis hein, est-ce qu'elle ne va comprendre ça? Je dis hein, est-ce qu'elle ne pas ouais ça? Est-ce qu'elle ne pas ouais dans quel niveau? Que en pile dans monde qui passait dans tête pays hein, qui nous relè autorité, soi-disant autorité. OK? Nous relè des soi-disant autorité, bah oui. Nous relè yo des soi-disant autorité, bah oui. Pendant qu'il y a des soi-disant autorité, on dit garde corrompu communauté. Occidental là mettez ensemble avec yo yo mettez Haïti dans salier là yo mettez paysan dans salier là et m'a dit qui est vraiment et ça gagne la jodi dans pays hein m'papa non menti c'est mobilisation OK c'est mobilisation Jean que moun ka faut faire commencer faire là Jean que moun nan balat si bon commencer faire là Yo commencé à lever campé. Parce que après que Koni dans interview que avec BBC News là pour dire que li extrêmement difficile puis organiser élection pour année 2025 là. Et il tout dit que papa li papa établi sécurité non? C'est il tout dit que papa résoudre sécurité hein. Et si qu'on y a tout dit que yo papa fait élection eh bien, li clair pas qu'un débat sur ça non? Si Dieu pas ka fait élection ça veut dire que li tout dit yo pas ka tabli sécurité en un pays. Eh bien si pas ka tabli sécurité en un pays, pas de débat non là. C'est soit là ou bien pas là. C'est soit yo là ou bien ou pas là. Mais ne pas accepter que moun sa yo pendant que yo dit pas ka bay sécurité pendant que yo dit même élection pas ka organiser et puis yo ta continuer rete là sous pouvoir abjui un ensemble de privilèges puis l'argent l'état l'argent taxe tout bagay et puis pour ne pas dire pour ne pas faire rien yeah en pour n'accepter que
Moun nèg yo campé yo avoué. Yo pap ka bay sécurité. Et puis pour nous quitter la sous pouvoir sous qui base? Sous qui base? Oui. Sous qui base? Sous qui base? Les que n'a regardé réalité. Hein? Les que n'a regardé situation. Et m'apprendre que gagné président colombien qui t'a voulu venir visiter après que il t'a fini de participer dans investiture Luis Abinadel comme président pour un deuxième mandat dans le pays Saint-Domingue. Monsieur t'a gagné l'idée pour venir visiter Haïti. Pour le tatouage où est colombien qui est impliqué dans tout le président Jovenel Moïse. Et bien gagné conseiller, gagné autorité yo. Qui est l'état dit monsieur bon non Jean que situation li même en Haïti là yo pas conseil vini alors que n'oublier avant-hier gagnait président conseil là monsieur Edgar Leblanc qui dit que la vie commence à reprendre eh bien Edgar ben menti c'est pour ça oui? Si c'est pour ça Edgar ben menti. Parce que récemment, Edgar dit que la vie commence à reprendre. La police et le force de l'audio, ils ont quasiment après contrôle pays. Hein? Soit bien 8000 combien et comment et élèves qui ont composé l'examen 9e année, c'était un éloge pour Edgar Leblanc fils. Mais je dis, hein, je ne pas comprendre comment que si on ancien, alors si on président au pays ta vle vini là pour ta vini ouais ça ka passer Haïti et puis pour ta dit que le pas il pas ka vini à cause de sécurité. Donc je dis hein, ça dit qui ça, ça dit que ça montre que eh bien résoudre insécurité hein. Jean que ancien colonel Imlay Rebu dit là semblait tout ça monsieur Damio a dit là pas de volonté vraiment tout ça monsieur dame ça qui l'a dit hein pas de volonté à oui ne go parler dans bouche mais en termes de action concrète pour que moun yo ta capable wè sa pou ta fait comme action pour ta résoudre insécurité hein moun yo beaucoup wèl moun yo beaucoup wèl et si moun wèl dim même ba c'est pas moun beaucoup wèl même ba c'est tout moun beaucoup wèl et wè de ce Kenya ça presque va sur lien encore parce que ceux qui ban blaisis. Vous comprenez? Ceux qui ont plaisir, c'est qu'ils viennent là. Ils ne sont pas contre de manger dans le pays. Vous comprenez? Ils ne sont pas contre de quitter dans une mauvaise situation et santé. Ou ils ne sont pas venus là. Ils ne sont pas contre de manger. Ils ne sont pas contre de flâner. Mais si n'te gen moun ki te si n'te gen des dirigeants vraiment mba e Kenya sa ou la ou di mwes l'autre pays ki di avoye y avoye office y avoye soldat vini de Haïti nan bata kòt bandi la non mba wè sa ou la non so ti bagay ki gen la si vraiment te gen volonté et que volonté politique et même l'Occident qui lui-même je dis hein qui va nous sanier la comme sécurité hein même yo même si yo te que volonté vraiment pour aider nous parce que
Haïti pas fait zam. Parce que aucun côté qui aucun magasin zam en Haïti. Qui donc? Yo t'a aidé nous. Nan résout ça d'abord. Yo t'a bloqué van. Côté zam à cartouche sorti d'abord. Et ta premier bagage là. OK. Et ta première action, yo t'a bloqué côté van zam à cartouche l'en sorti et pour te permettre que OK. Pour te permettre que vraiment pour montrer des gon volonté réelle pour des gon volonté manifeste pour bataille ensemble pour y résoudre sa guerre comme insécurité. OK, mais comme nous messieurs dames qui là yo y a calblendé comme nous mon qui soit disant relité sur autorité ou dis-moi ce que même pays qui t'a dit que ses amis Haïti yo même pays qui t'a dit que voulait aider Haïti yo dans la bataille contre insécurité hein mais jusqu'à présent yo tout ce qui bon bluffer ce qui bon mesdames yo pas aucune volonté vrai pour t'aider ni résoudre sa guerre comme insécurité pas une volonté mais m'a dit peuple haïtien on continue mobiliser dans Kafoufeuille dans la Tibonite et tout côté en notre pays côté que bandi côté que criminel yo même yo prend pays ça en otage côté que yo décidé théoriser population empêcher le que fonctionner empêcher le que vive nous même nous dit faut que ça suspende faut que ça fini parce que nous pas d'accord nous pas accepter quelle que soit condition sous quel que soit prétexte que des femmes et garçons arrangés pour finir avec pays ça pendant ces temps misère souffrance calamité monio a enduré chaque jour qui passait. Merci tout le monde. Tem di nou ke délégation CARICOM nan deja en Haïti depuis dimanche qui était 11 d'août lan. La fait 11 12 13 14 15 16, la fait une semaine en Haïti. Côté que yo a pour rencontrer ensemble acteurs pou m'da di bien et membre conseil présidentiel comme d'a dit conseil présidentiel yo et PM Gariconi gouvernement lan et puis ensemble de acteurs secteur parti qui voyez représentants dans conseil et transition ça. Eh bien, n'apprend que gen accord 21 décembre qui t'a dû rencontrer délégation CARICOM nan journée qui c'est mardi qui c'est 13 août 2024 lan côté que yo pral parler sous réalisation question élection de paysan question et sécurité de paysan yo pral discuter sous ça yo selon ça que nous apprendre et PM Gariconi t'a déjà rencontré et bien délégation CARICOM nan côté que yo discuter sous question organisation prochaine élection dans pays d'Haïti et question sécurité est-ce que CARICOM lui-même que me connaît que nous connaît bien c'est lui-même avec un ensemble d'acteurs qui a couché et CPT hein? C'est lui-même qui a couché Gariconi, c'est lui qui a couché autorité qui l'a yo et c'est à travers lui-même tout avec Chita Palé ensemble d'acteurs en Haïti yo et puis éminent personnalité CARICOM yo yo t'est rivé mettez campé à 3 avril 2024 là qui gagne la donne comme point et rétablir sécurité publique en notre pays organiser conférence nationale et réforme
constitutionnel et organiser élection démocratique éligible participative, rétablir état de droit et la justice en d'un pays et remettre campé institution financière en nous. Jusqu'à présent, honnêtement, ça m'était nous yo, mais on me dit qui est dans point ça yo, qui t'a dit dans accord 3 avril 2024 là, qui a couché moun ki la yo, qui ça nous est qui commencer exécuter. Est-ce que dans 5 points ça yo, t'as gagné qui commence à exécuter? Moi-même, m'a dit clairement zéro. Parce que, m'bore jamoué, yon nan 5 points sa yo qui t'a commencé à rentrer en application. M'bore jamoué yon. Et si t'as gagné un moun qui t'a gagné yon nan points sa yo qui commence à respecter, écris ça dans le commentaire là, parce que m'ta bien aimé qu'on est. Et m'a posé question tout, qui ça qui fait que yon nan points sa yo, premier point yon, qui c'est rétablir sécurité l'État? Qui ça qui rétablit sécurité dans le pays? Qui ça qui explique que sécurité li poko capable rive établi en dans pays? Selon yon magistrat ou dis-moi ce que agent exécutif intérimaire commune Gressier Jean Robert lui-même qui fait qu'on est que je dis et question Gressier jusqu'à présent li sous contrôle bandi armé yo. C'est vrai la police a dégagé, c'est vrai la police a fait des efforts, mais rien pour qu'on capable griver dans normalité yo. Et poser la question pour qu'on est-ce que c'est vrai que la police a touillé 7 présumés bandits et saisi un zam dans Gressier dimanche qui était 11 août là, mais agent exécutif intérimaire ça monsieur Jean Robert li fait qu'on est que lui-même li pat en mesure pour t'aller vérifier pour qu'on est effectivement mais autorité policière yo t'est informé yo pour dire que il y a plusieurs présumés bandits qui tombé dans boucanté coup de zam avec force de l'audio des Ivenesse. Très bien, la situation dans le modèle situation insécurité qui est dans le pays, en dedans état d'urgence sécurité là, des jours après plus j'arrête, bon côté population qui connaît, situation qui est extrêmement difficile, surtout dans le département de la Tibonite qui la cause, 14 d'août qui a venu là, population surtout qui a sorti dans la cité de l'indépendance, au Gonaïve mobilisé pour y aller démanteler by Bois Calé avec Bandi, Coco Accélération qui achetait route nationale numéro 1, presque pour l'argent en bonjour, embargé ensemble autorité policière et judiciaire qui dans le département la Tibonite respectivement dans ville Gonaïve qui pas décidé mener opération contre un réseau criminel Silayo qui a fait département pour l'argent dans poche et dans conseil gouvernement qui a été organisé bon côté autorité ailleurs il a essayé donc de regarder une question et budget de fonctionnement qui pourra lier avec gouvernement pendant des mois et regarder tout et état d'urgence sécurité qui reconduit pour un mois encore et yo ajouté de l'autre département sous ensemble département qui te fait partie hein, état d'urgence sécuritaire qui déjà dit un mois et ensemble évaluation bon côté secteur bon côté organisation bon côté personnalité yo vraiment ouais pas rien qui fait dans question état d'urgence sécuritaire néanmoins que bandi yo prend plus territoire toujours dans ça que ça yo te gen nan yo déjà l'institution et on essaie d'autre regarder des communes et ensemble département surtout département de NIP côté nous connaissons Ernest Muscadin comme commissaire qui a une responsabilité sous Miragouane pour prendre responsabilité pour bandits par vin dans zone là les ouais état d'urgence sécurité mette là parce que pas un gang qui actif dans zone là en pile on a posé cette question est-ce que c'est pas des missions que autorité dans l'état a gagné pour aller installer des gangs dans département NIP dans Miragouane pays côté Ernest Muscadin a dirigé les situations mission multinationale support à sécurité à MMS là qui sorti dans pays Kenya qui a dirigé actuellement dans pays d'Haïti Blaise Peterson et yo entendre presque chaque jour pour yo prendre plus plaisir en dans pays pendant moun continuer à pas perdre territoire. OK? Et yo essaie de regarder plusieurs pays qui entendent yo qui pour bail qu'aucun chaîne support pour mission ça capable réussir dans pays d'Haïti. Pour gagner plus d'informations sous effort international là qui pratiquement gagne pour objectif aider la police nationale d'Haïti à rétablir sécurité en dedans pays. Mais si c'est comme ça, j'en veux aller à là en pile monde constater pas gagner massivement pour aider la police rétablir sécurité parce que si une quoi journaliste Miami Herald Jacqueline qui déclare Jacqueline Charles c'est grâce avec policiers haïtiens yo qui aide officier kenyan yo nan Gressier
qui cause café ou pas couler avec Mac. Même journal senior, nous parler de France Dival, rédacteur en chef des Nouvelles, qui dit même bagarre là, opération pas fini bien. N'était-ce pas policier haïtien, par un tap difficile pour officier kenyan, qui permet un pile monde à questionner. Est-ce que c'est officier kenyan qui pour kounia des commandes d'intervention, opération dans différents zones, ou bien c'est en support, c'est en soutien que vous avec police nationale d'Haïti? Parce que si n'a pas les ces police nationale la calpoté aussi pour qu'elle secoue, eh bien Livindi, c'est officier kenyan sans doute qui gère les prêts commandes qui a mené opération. Mais autorité policière, yo, pas jamais pote un démenti sous question ça. Yo pas jamais dit rien sous question ça. Yo quitté la fête chez Mel Blaise Peterson. Situation a toujours été compliquée et moun faux parisien, moun qui dans gantier toujours sous pression en bas mais la mort sans jour qui prend un bon parti dans zone ça yo qui empêche population vacuer avec activité yo. Moi en pile dans nous cap constater que la mort sans jour te sous des ponts qui dans zone grecier dans faux parisien qui empêche machine qui a fait frontière yo pour à l'acheter pour pas traverser malgré tout dernier moment yo avec absence d'état avec impuissance d'état l'homme sans jour vient à péter tant que jury qui dans chaudière a parlé pour monter c'est le même qui se fait chef et bien c'est responsable qui permettre que l'homme sans jour après dimension ça Blaise Peterson gros la guerre éclaté entre commissaire sortant à commissaire actuel qui pratiquement dans ville locale qui permettre que commissaire sortant au cas là, nous voulons parler de Ronald Richemont, crié tant que petit bébé après une opération que commissaire James Jean-Louis menait dans la zone si là. Un jeune garçon qui relait Joseph Joseph, alias Mr. Sentiment, qui tombait en bas balle la police dans la nuit 11 pour l'ouvrir 12 d'août 2024. C'est un agent renseignement, ancien commissaire Ronald Richemont. Individu ça, te gagné dans mail, il te gagné qui trempé dans quelques mauvais actes. En dedans juridiction d'après commissaire et juridiction au Kaila maître et James Jean-Louis qui fait qu'on est après juge de paix te joindre les gars uniforme la police uniforme police municipale examen illégal malgré au te arrêté le personne yo exécuté en pile monde dénoncé façon ça fait là parce que tout citoyen qui maîtrisait l'état de avec la justice pour la justice tandel et puis by ordre dépôt pour lui pour la plus peine exécution fait un pile monde mal. 8 jours après attaque nek exam, te fin fait dans la localité Bercy. Situation toujours été compliquée dans la commune Akaye. Diverses barricades érigées sous route nationale numéro 1 en Blaise Peterson. Côté y a demandé avec autorité qui dans pire au niveau pour venir porter au secours et yo prend décision ça, mettez barricade sur route nationale là, c'est pour empêcher bandi rentrer dans la commune là. Qui la cause transport public là dans un bon parti sur route nationale numéro 1 paralysé les suites des sons. Bandi Axam qui sorti Canaran dans journée et qui était 12 d'août 2024 là. On l'autre fois été envahi une localité qui est le Téléco qui trouvait dans commune Cabaret population qui la guidé pour balancer en pile monde t'a couru pour te aller réfugier ou les suites des sons dans 4e section communale Cabaret parce que situation qui paraît très difficile pour yo. Nous avons posé la question. Est-ce que la police a quitté ensemble le territoire ça yo, vient sous contrôle bandit yo, qui sort du village de Dieu, qui vit dans zone là? Population à travers force résistance. Saint-Michel de la Talaye. Te bloqué tronçon route Saint-Michel de la Talaye pour arriver et Saint-Raphaël. Journée qui te lundi 12 d'août 2024 là. Initiative ça visé forcer autorité ou prendre responsabilité ou nan réhabiliter tronçon route si là que sous président administration Jovenel Moïse qui était en main et jusqu'à présent pas un suivi fait là dedans route là nan état lamentable difficile de presque chaque jour les personnes et plusieurs dizaines de machines à chavirer avec marchandises parce que route ça vient servir route nationale à cause problème insécurité qui gagne sur route nationale là côté bandi a rançonné chauffeur avec passager et ben yo fuit route normale là ça cause c'est Saint-Michel de la Talaye qui a le passé et ben tronçon Saint-Michel Saint-Raphaël là une situation très difficile même bourique fait accident dans route là et responsable yo dans ministère travaux publics transport à communication MTPTC ferme yeux les personnes y a observé ça les fait prime sous dos population qui dans communauté si là pour exiger autorité ou prendre responsabilité ou les personnes deuxième apprendre que bon bien que beaucoup joignent et de façon officielle information ça mais nous apprendre que et Maslin Mirtil alias ta jeune libération ta jeune libération nous bien dit
N'attend que dans notre émission n'apporter pour nous pour que nous capable détailler ça avec zami yo. Mais n'apprend que en pile voix t'a levé dans société hein pour exiger libération Mas Limitil que tout monde connaît sous nom arabe que nous connaît jeune garçon ça qui lui même prend de engagement dans pays surtout dans question assassinat président Jovenel Moïse côté arabe t'est engagé non véritable tournée nationale si me dit comme ça pour que al montrer ensemble de initiatives ensemble de réalisations que président Jovenel Moïse que lui-même que t'est en main et voilà que après assassinat président Jovenel Moïse dans date qui était 7 juillet 2021 et ben moun qui vient après lui qui c'est Ariel Henry avec toute équipe lio nek yo craché sous mémoire sous travail président Jovenel Moïse et ça équipe Ariel Henry qui était au pouvoir dans moment il était maloué arabe et il était trouvé que arabe c'est comme quoi c'était un insecte nuisible parce que arabe lui-même t'a dévoilé t'a montré travail Jovenel Moïse qu'on a fait yo ensemble de réalisation yo et mais oligarque corrompu yo t'est dérangé selon en pile monde avec Andy et visibilité ou dimanche encore et ensemble de réalisation que arabe t'a montré que président Jovenel Moïse que t'es réalisé et arabe lui-même qui t'est campé contre équipe Ariel Henry hein, côté que insécurité t'a prend j'arrête et jusqu'à présent insécurité a vinn exagéré arabe t'est lancé dans yon campagne distribution manchette by population civile pour dire que pour défendre tête yo pour pas quitter bandi vinn prendre zone yo pas quitter bandi vinn attaquer yo pas quitter bandi vinn finir avec zone yo mais côté que t'a distribuer manchette dans un ensemble de zones mais autorité Ariel Henry qui était là dans moment n'est que t'es qualifié action arabe t'a fait yo comme de incitation à la violence alors que yo pas trouvé bandi yo cap exhiber cap exposer zamyo cap touyer cap violer cap mettre dit fait cap fait des Jacques sous mesdames nous mais était arabe selon un peu monde yo était décidé à l'arrêter voilà que arabe te révèle au caï mais ancien commissaire gouvernement au caï là qui c'est Ronald Richmond li était fait arrêter arabe arabe était en prison pénitentiaire nationale bandi vivent ensemble casé pénitentiaire nationale le 2 mars mais le 1er mars il m'a trompé arabe sauvé arabe était arrêté comme évadé prison que tout le monde d'accord ça et l'état la police t'est lagué à vide recherche des arabes. Après ça, arabe retourné nan PD parler dans la presse, arabe retourné nan di pile bonne cause parce que il était venu prendre position avec Guy Philippe. Arabe était venu dans Guy Philippe dans révolution que la parler. Eh ben nous songer 7 juillet était passé là, eh ben arabe qui était accompagné avec plusieurs militants, il était al déposer un jet fleur la caille ancien président Jovenel Moïse dans PLR 5. Eh ben là que arabe t'a retourné, la police poser la patte sur arabe ensemble avec chauffeur moto que t'es conduit là. Eh bien, nous apprendre que après pile voix que t'es levé, nous apprendre que arabe t'a libéré journée qui c'est mardi 13 d'août. N'a venir avec plus d'états sur ça, ça m'était notre yo, rester branché dans émission Carrefour Vérité pour ne capable venir avec un pile bagaille. Désir, entre les amis yo pour ne capable rentrer, soit aller dans la rien ou dimanche encore, garder ensemble de premier parce que jusqu'à présent, m'a essayé garder, m'a essayé étendre, m'a essayé analyser réaction en pile confrère et concerne nous, eh bien, après que confrère nous, Franz Duval et de Le Nouvelliste et Jacqueline Charles de Miami Herald qui parlait de côté que officier kenyan yo, yo te en difficulté nan gantier et c'est la police nationale d'Haïti qui t'a poté renfort ba yo pour que yo capable et eh bien éviter que officier kenyan pour victime et officier kenyan selon ça que n'a prendre désir dans rencontre qui fait avec autorité dans OEA. Monsieur dit depuis que mission fin complet alors elle me dit 2500 et officiers et soldats qui pral fait partie mission depuis que mission fin au grand complet yo pral marcher sous bandi vivre ensemble qui est la complet blaise ah bah connais frère et pas me faire venir non et pas me faire venir non c'est pas ni moi même qui faire venir les dire 450 dans pays à la blaise 400 nèg 4 manger 4 boire 4 absorber bidier qui gain la blaise qui monde qui dit ça oui qui monde qui dit ça oui 400 nèg ça va faire là
Et dit bon, les gars dit, y a tant que yo au grand complet, y a tant que yo gain assez de matériel dans main yo, et mais après ça, yo pral marcher, yo pral maspiner bandi vivre ensemble des Ivennes. On dit avec examen, à vous avons venir dans dossier. Très bien, Blaise Peterson, nous saluer et Fanez Saint-Fond qui toujours reçoit qui relait vive président Guy Philippe lui-même c'est dans Guy Philippe Lacellier pour l'autre Haïti tel souhaité a Elion TV qui toujours avec nous qui félicite qui encourage nous pour travail et qu'elle a fait on dit Elion TV merci en pile pour écouter lui Mimose Jean-Charles qui toujours avec nous et le garder en famille qui personne pas prier pour nous dit Mimose Jean-Charles merci en pile ça fait nous grand plaisir Janine Petit Homme qui toujours prier également pour nous qui m'a demandé pour le bénir nous dans travail on dit merci en pile pour écouter avec fidélité. Nous big up au Montacou et en Denis Wilda qui est toujours avec nous. On dit le grand merci parce que vous placez confiance dans l'équipe Messac Nouvelle, les infos. Pas une nouvelle, votre calbas info, c'est une nouvelle haïtien. Nous saluons Yveline qui est toujours avec nous, qui dit bon Dieu, besoin de nous pour bel travail, c'est là, qui a fait ce réseau. Merci Yveline, ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Gerda qui est toujours grand chaîne, qui salue nous, qui demande bon Dieu pour bénir nous et plaider en faveur et ensemble des causes qu'elle a plaidé pour pays, il faut que nous jouions une bénédiction. Merci Gerda et ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Pierre, Miliane, Michel qui toujours avec nous, les Peterson, qui dit nous bagarre la red. Oui, nous conscients et nous constatons dans le pays d'Haïti, bagarre la dépasse red. Mais nous devons continuer à faire résistance. Prenons responsabilité, nous, en tant que peuple, pour nous retirer dans ce que nous trouvons. Franzi Charles qui salue nous. Nous saluons Franzi Charles. Merci. Et nous saluer Marie Nozifor qui était avec nous matin, qui te souhaite une bonne matinée, qui espérait problème qui gagne régler qui est pas là pour tout le temps. Merci et ça fait un grand plaisir Marie Nozifor, nous comptons parce que vous rejoignez une famille, car c'est depuis un bon bout de temps nous t'avons demandé qui compte au fin, nous pas de moi. Marie France Elmonis qui est toujours avec nous, qui essayait de dire Calfou vérité avec Blaise Info, Désir Venesse. Lizy nous merci pour le travail qu'il a fait sous réseau. Nous saluons Jean-Robert Latour, Ned Gokai, qui par exemple Raten, qui toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir. Raphaël Saint-Ville, merci parce que vous toujours avec nous. Monsieur c'est Chili qui est Lizy nous Kembe FM dans le cadre de travail. Parce qu'en pile dans Mounio qui quitte Haïti, qui Chili, il y a près tant de pays à bon pour être capable de retourner la caille. Nous saluons Rabi et 816. Qui dit nous bien parler, surtout dans la façon que nous avons essayé de traiter et garder problème, analyser la situation qui est dans le pays d'Haïti. Nous saluons Jefferson Camille, qui pratiquement rejoint une famille. Nous disons merci en pile. Zana, Marie-Xavier, merci. Mais ça fait nous grand plaisir. Xavier, Marie-Xana, ça fait nous grand plaisir qu'on est, que vous toujours avec nous et vous appréciez nous en pile. Et nous avons fait bien que nous attendons Marie-Xana, Xavier, tout, non? Nous attendons. Bon, elle est de retour, on dit merci parce que lui retourner dans ta famille. Alfares Dosso, merci à pile parce que vous toujours avec nous. Nous saluons également William Charles qui est toujours branché à, et en famille. Nous disons merci à pile parce que lui toujours avec nous. Nous saluons Marie Tad qui est toujours avec nous. Nous disons merci à pile. Lui-même, lui dit, les calme, down. Et c'est là qu'elle pratiquement a pété dans ton garde. La prendre nous pour essayer de calmer nous parce que le te ouais, tension était en vue monter dans l'émission que nous avons pour matin. Dans la dimension que nous avons, l'autorité a passé les peuples haïtiens dans la bêtise pendant que nous continuons à mourir, nous continuons à courir, quitter la caille. Nous saluons Maxi Joseph qui est toujours avec nous, Blaise Peterson. Nous disons merci en pile. Roland, Roselyne Metelis qui est toujours avec nous. Nous disons merci en pile. Roland Brunzi qui est toujours avec nous. Astrélie Jean, Junior Pierre qui est toujours avec nous. Nous saluons Jean-Joseph d'Orange qui rejoint la famille. Mais cette nouvelle-là, Marie-Jasmin, merci en pile parce que ou la caillou ou dans le temps équipe ou Blaise Peterson, c'était ensemble moun sa ou que nous devons saluer dans quatre émissions si la pour mi temps journée. On a dit tout l'autre ami que nous devons saluer ou pas besoin de faire jalousie. Yo pratiquement a venu dans l'autre émission qui a venu après, tout simplement a gagné pour commenter et quitter nous. Dis-nous qui côté a gardé, qui côté a attendu et puis salutations yo a venu. Sans doute Blaise Peterson, comme habitude, après nous fin faire salutations yo, nous t'allons dans la rue avec collaborateur nous yo Fred Kelito Banat ou bien Claude Naïd Antoine, bah qu'on est sur place, si on pas sur place, n'a fait analyse et préliminaire qui va permettre que nous commençons à comprendre ce qui a passé dans le pays. Parce que c'est ça que nous pratiquement là pour nous faire à travers les 5 nouvelles. Exactement, les Ivennes, moi c'est que vous mettez commencé avec analyse préliminaire, mais nous avons regardé d'abord et nous avons regardé la question CARICOM, délégation qui est en Haïti. Et puis, on a regardé question. Bon, je me texte habituellement parce que là, c'est plus bon pour moi toujours. Parce que si je me texte, c'est la plus bon pour les amis capables d'entendre et comprendre. Et ça, comme information, bon côté officier kenyan au désir. Parce que l'aime les lits pour me pas. Pour me capable bien entendre et comprendre. OK. Vous parlez ajouter, vous parlez retirer. Du tout pas.
Et lundi qui était 12 d'août 2024 là, Gué Christo Dupuy, représentant spécial secrétaire général Organisation État Américain en Haïti, qui était en rencontre avec Godfrey Otunge, qui c'est commandant force mission et multinational soutien sécurité à la police nationale d'Haïti. Monsieur Dupuy, il renouvelé engagement que Organisation État Américain OEA qui était déjà attaché et qui était déjà bay soutien inconditionnel li, et qui dit il était prêt pour supporter mission soutien sécurité à Haïtien pour un succès en Haïti. Ça veut dire pour mission capable réussir en Haïti. David et lui-même promettent pour continuer de travail dans étroite collaboration avec Sanrele leadership mission ça dans prochaine semaine cap venir là yo pour faciliter besoin sa mission en besoin en termes de matériel en termes de équipement pour que yo capable vraiment commencer avec Sanrele opération yo capable commencer faite yo renouveler Sanrele engagement encore et yo dit yo prêt pour que yo capable couper processus bureaucratique pour que mission multinationale soutien sécurité haïtien dans question mandat qui ont gagné en Haïti mission objectif yo en Haïti Otunge li remercier organisation état américain yo parce que yo dit y a porté support mais forte à travers l'ONU by mission ça pour que capable aider l'état haïtien aider la police nationale d'Haïti dans la bataille contre question bandi armé dans pays et rétablir sécurité. Selon chef mission Haïti, M. Godfrey Otunge, M. dit que rencontre li avec secrétaire avec M. Christo Dupou, li c'est un pré-déploi, alors c'est une rencontre et qui pral vraiment mais c'est pral une étape de ça les pré-déploiement mission. Pendant souligner que mission en prêt est déjà fait bon progrès en Haïti. C'est bien dit. Mission prête, elle déjà fait bon progrès en Haïti. Et concernant de relations qui existaient entre eux-mêmes avec autorité qui a surtout PM Gaïkouni et DG Ramonomil, côté qui a assuré que dirigeant. Alors, gang qui en Haïti yo, eh bien pas gen menti là-dedans, pas gen nulle part rien côté ou praler, et c'est de ensemble de dispositions qui apprend bon côté autorité dans pire au niveau dans l'état et bon côté yo même comme force de l'audio pour yo battre quoi question insécurité. Organisation État Américain OEA, li organise ses premier forum régional pour question discussion politique, analyse politique et prise de décision dans les affaires hémisphère occidental. Organisation État américain rassemblée, dirigeants différentes nations d'Amérique pour résoudre problèmes et opportunités hémisphériques. Ensemble, y a cherché renforcer coopération entre États et États et faire avancer un programme régional commun côté tout pays état membre et sous question gouvernance démocratique droits de l'homme sécurité multidimensionnelle et développement durable. En gros, c'est ça qui discuté entre Andy représentant OEA et puis chef mission en Haïti monsieur Godfrey Otunge qui lui même parlé pour dire que mission hein, Kenyan yo yo déjà a bay bon jè résultat, yo déjà fait bon jè progrès en Haïti. En tout cas, moun ki la en Haïti kap gade nou yo, moun kap vive et kap tande sa kap passe en Haïti, yo la mba konnen et progrès sa ke ofisye Kenyan di que alors chef délégation ke mission di a fait et ki kote fè et progrès sa et est-ce que le visible, est-ce que le palpable, bah on est même pas well, mais en tout cas, ou t'as dit clairement qu'il y a plein de matériel qui va gagner, il y a dit que chao gagne, c'est chat, c'est transporteur de troupes qui est lié, et on va caminer de bataille, bah on est côté ouais, ça ne relie pour rien faire des Yvenus. Bon, Blaise, c'est un complot qui bien planifié, qui gagne des traites
konze représentant système nan ki en Haïti ki vin chita ki permet ke question gang ke wè ki gen la li pran place dans le pays a et c'est même groupe konze même groupe traite ça même groupe apatride ça yo c'est yo même qui t'a signé aux Jamaïques pour venir avec mission multinationale qui gen Kenya k'ap dirije. Li était très important pour ensemble des jeunes garçons, jeunes femmes qui dans diplomatie haïtien ou bien jeunes femmes, jeunes garçons qui a fait étude autour de la diplomatie et à comprendre que ça qu'a fait là, ça qu'a pratiqué là, le chita autour des diplomatie tout simplement pour craser la République d'Haïti. C'est by bandits, c'est by terroristes, plus opportunités pour prendre plus territoire. Parce que loi PC dont regardez pour n'importe dire que mission commencé by résultat. Bon, qui ça a entendu des résultats? Qui ça résultat y est? Manger, gros plat, manger comme si pas de manger la caillou. Très bien. Kounia nous même qui a fait analyse. Est-ce que parfois nous pas fait affront à qui? Parce que nous pas connaît qui ça qui vraie mission tout bon vrai. Faut qu'on t'a cherché qu'on est. Exact. Qui ça qui vraie mission? Officier Kenya yo, 400 officiers Kenya qui sont dans le pays. Parce que c'est dans la veille où on connaît si un terme a bien passé. Exact. Ok? C'est dans samedi où on connaît si dimanche ou ap correct, si dimanche ou ap bon. Là où on a gagné 2500 officiers qui sont devenus dans le pays là, ou gagné 400 qui là. Malheureusement, il passe 50%, il passe 75%. Mais ce groupe qui a dirigé mission qui déjà a un bon parti, est-ce qu'on pas ta dire li presque envoisiné 35 à 40% sous effectif que Kenya a bien pour le déplotonner dans cadre mission. Si tu as bon bagage qui t'a fait pour te voyer un signal by l'autre officier ou bien policier qui a déplotonné dans cadre mission 400 officiers kenyans qui là ou t'a bien fait le blessé personne. C'est pas terre était dans base tout simplement chaque jour lever manger et puis et faire musique danser pas ça non qui vous t'a fait yo t'a prendre des dispositifs de concert avec la police ou bien c'est nouveau directeur général de la police hein, monsieur Normel Rameau qui pas une capacité c'est lui même qui c'est vaut rien est-ce que c'est nouveau DCPA qui c'est vaut rien qui pas vaut rien est-ce que c'est premier ministre docteur Gary Conille et le premier des policiers chef de la primature est-ce que c'est lui-même qui part en état? Chef CSPN, est-ce que c'est lui-même qui de connivence avec Gagnon qui empêchait officier Kenya, qui empêchait, pardon, policier au fait travail? Parce que, ou gon pays, ou déclarer état d'urgence sécuritaire. Non, état d'urgence sécuritaire pour premier mois, évaluation pour faire, ou garder ouais, Gagnon prend plus territoire possible. OK? Ou mettez dans l'antibonite sur route nationale numéro 1, Lixon Elan, chef gang là, montrer qu'on pas rien. Li te konn rete nan bazi la pou peri an dedan, li soti deyò, li vin sou Kafou Pay, li installé bazi nan Kafou a. Li di la polis, mè kwa maman, mè kwa papa, sou kapab ou vin pilèl. Et ça a li vini nan période état d'urgence sécuritaire que monsieur a parlé a. Pou yo continue passer nan tintin. Parce que état d'urgence sécuritaire, li vin tankou son méthode que yo utilisé pour mettre babouquette nan bouche tout moun ki décide faire des mouvements et des masses. Pour exiger autorité, malgré que nous avons un babouquet déjà, parce que on monde qui vit dans le quartier populaire, il n'y a pas de manifester pour demander la police de démanteler gang. Qui j'en a fait rentrer dans le ghetto? Gang n'a pas tout parce que revendication ça pas avec gang. Ok? Et puis, je dis, hein, ou autorité qui dans l'État continue à bailler tête avec bandi, quitter un paquet de territoire bandi a envahi, et puis il y a bon menti. Il y a bon menti. Les pieux. Il y a bon menti. Yo utilisé votre parole yo OK yo utilisé organe que yo gen pour ça et population qui pratiquement a souffri qui amer l'ont dit ko touye 104 bandi ou touye 7 bandi et ben qui identité bandi ça ko touye est-ce que c'est Iso est-ce que c'est l'homme sans jour est-ce que c'est Tilapli est-ce que c'est Bougoy est-ce que c'est Lixon Elan est-ce que c'est Meyer est-ce que c'est Benji est-ce que c'est Jeff Canaran ko touye l'on senti ou fier pour tout côtoyer 7, 10 et 104 bandits. Ou saisi combien d'âmes? 11 âmes ou bien 19 âmes? Combien d'âmes que le réseau criminel a été opéré? Lè ou moutre des pour ou la quantité d'âmes que vous gagnez? Qui j'en conseil sécurité, Nations Unies? Qui j'en l'ONU? Essayez donc de regarder ce qui a passé dans le pays.
est-ce que haïtien qui puissant qui gen oreille blanc yo, est-ce que yo pas estimé que insecte nuisible il met que yo gen en dedans pays qui se nek exam yo, est-ce que yo pas fait trop pense DPH bon Dieu vinn plus solide oui plus personne. C'est ça que collaborateurs nous toujours partager avec nous. On est tant coup et Claude Naider Antoine les fait parade rentrer dans pays a lui montrer par A plus B il y a beaucoup plus c'est qui vient et toucher dans mes chauffeurs. Et anecdote qu'elle partager avec nous, un chauffeur qui payait pendant deux fois pour traverser un cabrit qu'elle gagne, il exigeait que ce soit un cabrit ou bien qu'elle payait 1000 gouttes pour traverser espacieux. Et dans tout ça qui côté autorité dans la police, dans tout ça côté autorité étatique, les ministres, les directeurs généraux, les conseillers présidentiels, ils ont tout simplement trouvé dans l'incapacité d'agir dans l'intérêt de la population, mais ils ont besoin assez astuce pour agir les personnes dans la corruption qui a fait dans l'administration publique. Il a rançonné les directeurs généraux à travers des boîtes pour faire l'argent. Et malgré ça, il n'y a pas de courir, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de honnêteté pour qu'on ait l'air en dedans de la depuis le suspect ou dans le volet, il n'y a pas de causer à des gens. Si les amis commencent à connaître, c'est caché ou t'as de caché, non? Conseil présidentiel, ça y est, il parle plus haut, il parle plus fort dans le figure du monde, malgré aucun pays dans le volet. Malgré aucun pays dans le rançonné, il y a un directeur général dans l'administration publique. Là. Si ça, ça dit, je dis. Qui modèle pays qui a fait. En plus, le chef gang yo dit, il n'y a pas plus gros volet qui est directeur général, il n'y a pas plus gros volet qui est ministre, il n'y a pas plus gros volet qui est président. Parce que je dis, information fait quoi, c'est une famille qui a dirigé par le national, avec secrétaire général là, qui a braché, qui a coupé. C'est une famille qui pipiti a roulé machine de l'X, vite teinté, plaque officielle. Et puis nous-mêmes, nous avons teinté. Président, Rivero Renard, lui dit que tout bagage sous contrôle. Et puis je dis, yo même comme conseil présidentiel, yo pas cal dans espace côté ta doué. Yo fait créer dans villa d'accueil. OK? Même premier ministre en même temps, ministre intérieur à collectivité territoriale. En pile moun ouais, qui ça t'est passé dans l'hôpital général, aller dans bâtiment, dans espace ministère d'intérieur, c'est avec un pile contact avec un pile prudence. Et malheureusement, que wa Puerto ça il y a envie de faire les sons avec la presse pour orienter nouvelles en favelle. Pour venir parler pour lui. Pendant le pape, il n'y a pas réglé un. Pas un de sérieux qui a réglé là. Et au besoin pour la presse, il a venir faire propagande. Il a venir faire cocalane pour lui. Il a besoin de tout dans la presse là. Moi-même, qui n'a pas besoin, et me compter qu'il n'y a pas besoin de Blaise Peterson et Cavalier Volcam qui est toujours à nous. Parce que nous, comme jeunes garçons, nous entendons pour nous construire une carrière dans la presse là. Quelle te presse en ligne, quelle te média traditionnel, nous mettez pion et nous avons une ligne côté nous. Parce que pas de nek ici qui a osé citer non nous comme nek qui kon et al checker le pas bon. Nous avons goumé pour l'autre Haïti. L'autre Haïti a venu. Blaise Peterson a bien droit. Nous avons bien droit dans l'investissement nous. Nous avons résolu tout l'autre problème que nous avons gagné dans la famille. Parce que nous croyons l'autre Haïti a arrivé possible. Mais quand on nek ça qui est pour changer la vie famille, si ménage, si bouboutio, si c'est comme ça qu'on continue à regarder, nous fait carré dans tête. Groupe, personnalité éminente, carré comme qui vient pour rencontrer avec assassin criminel qui mène un pays à côté de l'IAO, les personnes, même pas faire pièce confiance, parce que c'est eux-mêmes qui planifient avec conseil haïtien, qui mettent le conseil présidentiel transition, qui ont fait expérience là. Neuf idéologies différentes, neuf têtes différentes. Neuf moun qui étaient tout le temps opposés yon à klot. Ou ta ka dit que si yon décide chita, il ta donne un intérêt pays. Mais le nan gade nou au fond, c'est complot pour kraser pays à plus. Neuf moun sa yon vin fait. Bon, comme c'était yon même qui te voye yon vin rempli en mission, est-ce que cette mission yon qui mal rempli? Parce que konze yon pas chita nan akor politique que yon te parlé de liya. Malgré, dans l'ensemble, la population pas vraiment gen idée de akor politique 3 avril 2024 que monsieur Damu a parlé. Depuis le commencement, on a été violé. C'est normal pour mettre au mettre au chita. Pour dire qui ça fait la goumé là. Est-ce que nous pas manger assez? Est-ce que nous pas permettre que la goumé? Mais moi, je ne pas prendre au sérieux, vini, personnalité, éminente, caricom, qui vini en dedans pays. C'est pour haïtien chita avec haïtien, pour chercher résoudre le problème pays, blesse personne. Et il est bel et bien possible. Il est capable. Il a capacité pour nous faire ça, blesse. Et moi, c'est que je dis,
présence délégation CARICOM qui a fait un séjour en Haïti, une semaine en Haïti, hein, qui a rencontré ensemble de Timoun Yo, on dit bagarre la clé, il a rencontré Timoun Yo, ou dis-moi est-ce que il a rencontré ensemble de reste avec yo. C'est pas oublié, Timoun, mais c'est reste avec. Parce que moun nou gen la comme dirigeant, c'est de reste avec yo. Reste avec oligarque corrompu, hein. Reste avec communauté occidentale, hein. Reste avec un ensemble de petits blancs dans jaune chez Vekala louponan veyoyé. Parce que haïtien souffre de yon maladie en pile nan nou qui rele blancomanie. Regardez, négate mes pat vo an yen nan pays. Yo voye l'Haïti comme gros expert, comme gros diplomate, comme gros émissaire qui pral faire haïtien yo et moun ki nan l'état yo ou bien acteur politique yo, moun ki nan société civile droits humains, ki nan secteur privé yo, chita ensemble. M'a dit est-ce que messieurs dames ça ou pas honte? Et m'a dit moun ki la ou parce que bon même l'aime dit moun ki la yo. Parce que le regarde yo tout, yo te passé dans l'état à un niveau. Parce que on garde 9 conseillers présidentiels yo. On garde 9 conseillers présidentiels yo avant que m'ta venir dans gouvernement koni là. Parce que comme c'est conseiller et conseil là qui a couché koni et conseil ça li a couché à travers yon ensemble de partis politiques ou ensemble de estricti en de pays hein, qui te dit que Ariel vraiment pas ta fait rien de sérieux mais il a fini au même pour capable porter pour capable de résultat. Mais l'engade là sous 4 mois que au gain là on dit conseil après 4 mois la clé 25 d'août la fait 4 mois clé sans wété sans mété 4 mois. OK? Et Koni déjà parti pour 2 mois. Ramo est parti pour 1 mois. Et officier Kenyo est plus que 1 mois là. Parce que il y a un premier décès qui arrivé le 25 juin, un deuxième décès qui arrivé le 16 juillet qui donc les gars pral parti pour 2 mois là. Ouais, on prend tout mettre dans même panier. Qui ça au fait? Et pas pour sa raison. Nous est que conseil présidentiel là l'époque j'aime voulait publier accord 3 avril 2024 là qui comme quoi bail existence qui bail création et qui bail légitimité sous papier on dit comme ça avec moun ki la yo que conseil présidentiel et encore gouvernement koni là. Mais il n'y a pas légitime pour la population parce que ce n'est pas peuple qui mettait là. Même Jean Ariel Henry, ce n'est pas peuple qui mettait Ariel Henry. C'était un accord 11 septembre 2021 qui était échoué. Et après ça, il y a un accord 21 décembre 2022 qui t'a pris échoué et qui t'a pris à nous, ça n'est là. Donc je dis, hein, moi je veux que chaque monde comprenne. Je dis, hein, moi je veux que chaque monde analyse et garde questionné. Pour qui ça fait, messieurs, dames, ça yo, yo pas jamais publié à 3 avril. Et pour qui ça tout, gen un ensemble de défenseurs droits humains qui mandé pour yo capable jouer documenté signé que Ariel Henry te al signé avec président Kenya William Ruto avec Vini mission ça en Haïti que Kenya c'est lui-même qui a mené c'est lui-même qui a dirigé mission ça. Est-ce que vous comprenez? Si ça qui explique ça. Jusqu'à présent, gè ensemble de organisation là gè peuple haïtien ta bien me connaît. Qui ça dit dans le document ça? Parce que jusqu'à. D'ailleurs, nous donnons ça, monsieur l'italien. Chef délégation mission en Haïti, monsieur Outenge Gautrey, lui dit il a commencé à avoir bon résultat. Il y a un gros progrès qu'il a fait en Haïti.
même chercher me virer me garder pour moi progrès yo mba wè yo aidez moi mes amis moun k'ap garder tande m la yo qui ça progrès 400 officiers kenyans là en Haïti depuis l'arrivée là depuis 25 juin yo rivé qui ça nous a commencé faire là comme progrès parce que nous pour nous sentir que y a font bagaille dis moi parce que beaucoup ouais moi même par contre non beaucoup ouais non peut-être yo gen doit faire au cacher même beaucoup ouais non moi même si on moun connaît que ça l'a que posé comme action comme progrès déjà dis-moi ça dis-moi on comprend dis-moi m'ta bien content well yeah dis-moi m'ta bien content well m'ta bien content well parce que m'beaucoup well moi-même que negio pendant 2-3 fois là negio pété courant qui en dans chablain de yo. Et le gars des comportements nèg yo ou pas professionnel du tout yeah yo pas professionnel comme nèg qui a fait métier des armes parce que ça qui est arrivé le 29 juillet dans l'hôpital général là jamais nèg t'a tiré balle yo était quand même tout les policiers ici qui était en face sur le bois bon palais national parce que nèg a tiré balle sans contrôler bien blié gros armes qui était dans main yo. Et autant de que yo te en difficulté gantier, c'est police haïtien qui t'a aidé yo, bien que ça m'a pas fait trop débat sur lui parce que li normal parce que c'est pas Kenya yo qui seulement t'a mené opération dans gantier. Et m'pa croit tout t'a jamais voyé seulement officier Kenya yo puis t'a mené opération gantier. D'ailleurs, yo pas connait zone, yo pas connait gantier. Yo pas connait pays. Yo pas konn réalité payant vraiment. Donc, yo t'a toujours accompagné avec la police nationale d'Haïti. Mais je dis en tout, c'est pas une critique lié. Si que police haïtienne yo même yo t'est venu pour éviter que officier Kenyo pas mou, c'est pas rien de mauvais. D'ailleurs, c'est même bagaille en tout, si police haïtienne yo t'est en difficulté, c'est ta même bagaille que officier kenyan yo si yo même yo té dans opération tout puis yo té capable porter support by police haïtien yo ça bagaille débat sur li et m'pa vle fèl parce que si n'a fèl comme ça li pral renforcer bandi armé yo l'a renforcer action bandi armé yo et l'a affaibli force de l'ordre nou yo OK l'a affaibli force de l'ordre nou yo et l'a renforcer action bandi yo et moi mais pas pour que pas pour renforcement action bandi d'ailleurs bandi était bandi bandi pas gain religion bandi pas gain maman pas gain papa bandi pas gain état d'âme bandi pas gain appartenance qui donc m'pa jamais d'accord sous aucun prétexte sous aucune forme pour que m'da dit m'a promoter les armées non blesse pas jamais faire ça désir pas jamais faire ça. Les que dans des émissions qu'on fait là yo, nous vini avec deux réactions que bandi armé yo fait. On dit ça, c'est vrai qu'on voulait informer autorité yo de ça bandi yo dit, laisse ça yo même pour capable prendre yo oui. Leur besoin qu'on équipe l'un ennemi, leur besoin qu'on équipe l'un adversaire, c'est garder comment qu'on capable faufiler quoi en balle pour qu'on équipe l'un que le gagne. Laisse ça ou même pour arranger oui. Yeah. Pour arranger yo. Est-ce que vous comprenez? Laisse ça arranger. Parce que, et pas pour sa raison, en plus, on a parlé de. Il a posé question. Côté service renseignement, qui au niveau du ministère de justice, qui au niveau de la police nationale d'Haïti, qui au niveau de la primature et la présidence, côté service de renseignement, ça y est. Alors qu'il y a décaissé de gros sommes l'argent. Combien de millions de goudes a décaissé? Je dis à ça qui a passé, ça qui a fait. Ça qui a passé, ça qui a fait. Moi-même, m'a toujours dit que moi pour gagner la paix dans le pays, ça. Quel que soit tangente que lié, autorité qui l'a yo, conseil présidentiel, gouvernement qu'on y a dirigé, la police nationale d'Haïti, embryon l'armée d'Haïti, officier kenyan mission qu'il a yo ke pour obligation dégager yo tabli sécurité dans pays
permettre que la vie capable de reprendre normalement en d'un pays. Pour le monde capable de fonctionner comme ça droit. Pour la vie capable de fonctionner comme ça droit en d'un pays. C'est une obligation et pas qu'un débat sous ça. Et si nous pas capable de faire ça comme résultat, eh bien, parce que l'autre bagage c'est démissionner. Ma dit ken fâché, ken pas fâché, ken goumé, ken content ça là depuis que nous pas capable résultat, c'est démissionner. Parce que nous pas là pour venir faire. Je que en plus la mon a regardé officier Kenyon qui mange, on dit les gars problème manger dans pays yo. Les gars mec passé kaou, c'est comme si pas jamais bien manger dans pays yo, yo vinn la bien manger et yo commencé payer yo. Mais qui ça commencé faire? C'est moi dis ce bagarre on l'est. Élection ta de organiser dans pays en mois d'août 2025. Jeudi à nous 13 d'août 2024. Ça veut dire sous yon l'année que ensemble de moun ki la comme autorité yo. Pour pas ka résoudre sécurité hein. T'es bien samedi oui. Élection ta de organiser premier tour élection yo. Élection dans tout niveau. Yo ta dwe organiser nan mois d'août 2025. Et jodi an la, nou nan mois d'août 2024. Ayo di sou yon l'année pour que soi-disant autorité nou yo pour yo pa ta capable bay résultat mes amis. Pour pa ta capable porter résultat permettre que sécurité établie, la vie reprenne vraiment, mais et pas jambe le fait, grand moun sans honte, grand moun audacieux. Qui égal le fils qui t'a allé sous tribune Caricom qui t'a dit oh et comment la vie commence à reprendre dans le pays non et ben ça non vraiment que pour mon yo ouais gain sécurité pour que la vie a reprendre dit sur une année puis pas capable résoudre ça et même l'ONU même communauté occidentale là qui dit qu'il a appuyé il a coré mission multinationale là pour pas bay matériel pour pas bay bon gens matériel adéquat pour battre contre sécurité hein finalement n'a pas que par une volonté n'a pas que et situation Haïti hein que premièrement l'occident a intérêt là-dedans pour l'aider Jean Lié hein l'occident pardon. L'Occident voulait que ça ait été Jean Léon, parce que l'affaire capitale économique, li, parce que je dis à deux gros pays qui c'est qui rendent question ZAM à cartouche, qui rentrent dans le pays là. Premièrement, source de financement, c'est États-Unis qui a pris l'expert dit que majorité ZAM est sorti pour entrer à Haïti. Mais l'autre pays, c'est Saint-Domingue. Parce que en pile ZAM qui a joué